Bonjour à tous. On se retrouve ce mercredi 29 juin pour la présentation hebdomadaire de la Tribune des Travailleurs. Alors voici la une. Elle a deux entrées. La première concerne la flambée des prix, j'y reviendrai. La deuxième publie le communiqué du Bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique après le coup de force engagé par la Cour suprême des États-Unis contre les femmes, contre le droit à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. C'est effectivement avec colère et consternation que les femmes et les travailleurs des États-Unis et du monde entier ont appris la décision de cette Cour suprême de remettre en cause un droit démocratique arraché de haute lutte il y a près de 50 ans, le droit à l'interruption volontaire de grossesse. La Tribune des Travailleurs consacre ses pages centrales à cette question. C'est effectivement un retour en arrière de 50 ans, puisque c'est en janvier 1973 qu'un arrêt de la même Cour suprême, intitulé Roe versus Wade, reconnaissait aux femmes américaines le droit d'avorter jusqu'au stade dit de viabilité du fœtus, c'est-à-dire environ 22 semaines sur tout le territoire des États-Unis. Cet arrêté annulait de fait toutes les lois qui pénalisaient, qui interdisaient ou qui restreignaient le droit à l'avortement. Eh bien, 50 ans plus tard, le 24 juin dernier, la Cour suprême a purement et simplement révoqué cet arrêt, laissant de fait à chaque État des États-Unis la compétence pour interdire ou autoriser l'avortement. Alors, dès l'annonce de cette saloperie, les États qui avaient adopté des lois gâchettes, ce sont des lois qui sont rédigées à l'avance et qui sont prêtes à l'emploi, si on peut dire, les ont immédiatement mises en œuvre. Dans d'autres États, ce sont d'anciennes lois qui avaient été suspendues en 1973 qui ont été remises en vigueur. C'est une véritable provocation, c'est un véritable retour en arrière. Ainsi, dans 8 États américains, l'avortement est devenu illégal depuis le 24 juin dernier, et les cliniques qui pratiquaient l'IVG ont dû fermer immédiatement. Dans un de ces États, le Missouri, pratiquer un avortement est désormais, depuis cette même date du 24 juin, puni de 15 années d'emprisonnement. Au total, entre 26 et 30 États sur les 50 que comptent les États-Unis pourraient interdire l'avortement ou fixer des limites très, très strictes. Alors, plusieurs États ont indiqué qu'ils allaient sanctuariser le droit à l'avortement, c'est-à-dire accueillir les femmes qui le souhaitent, mais de nombreuses femmes seront de fait dans l'impossibilité de se déplacer, et d'abord les femmes travailleuses, les femmes noires, les femmes hispaniques, les femmes les plus pauvres. D'abord, elles ne pourront pas se déplacer parce que ça coûte très cher d'aller d'un État à l'autre, d'un État à un autre. C'est parfois des centaines ou des milliers de kilomètres. Et d'autre part, car leur assurance de santé ne couvrira pas les frais de santé liés à des actes réalisés dans d'autres États. Et déjà, certains États commencent à élaborer des lois qui visent à interdire aux habitantes d'un État de se rendre dans d'autres États pour procéder à une IVG. Ce droit à l'IVG, pourtant, c'est la reconnaissance de ce que le sort des femmes leur appartient, comme leur appartient leur choix de maternité ou non. Elle leur appartient à eux et pas aux États, pas aux juges, pas aux églises, pas aux professeurs de morale, de tout sexe et de toute obédience. Depuis que cette décision a été rendue publique, des manifestations de protestation ont lieu dans tout le pays, aux États-Unis, et particulièrement dans les grandes villes. Sur les pancartes, on peut lire « Mon corps, mon choix » ou encore « On ne repartira pas en arrière ». La Tribune des Travailleurs, sur 2 pages, revient sur ces manifestations, ce que disent les manifestants et ce que disent ou ce que ne disent pas les responsables des organisations du mouvement ouvrier. Et en France? Eh bien, en France, certains tentent de mettre à profit cette situation pour jeter les bases d'une union sacrée parlementaire autour d'une possible inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Alors, bien sûr, c'est toujours préférable que soit inscrite dans la loi la reconnaissance d'un droit plutôt que son interdiction. Mais qu'est-ce que veut dire un droit sans les moyens d'y recourir?
Or, on le sait, depuis des décennies, et bien avant même Macron, les gouvernements successifs se sont acharnés et s'acharnent toujours à fermer par centaines les maternités, les centres IVG dans les hôpitaux ou ailleurs, si bien que de nombreuses femmes sont contraintes de partir avorter à l'étranger. Or, un droit n'est un droit qu'avec les moyens de l'exercer. Et pour ce qui concerne le POID, c'est ce que nous affirmons dans cette déclaration, nous nous prononçons pour la défense et le respect du droit inconditionnel à l'avortement et à la contraception, pour leur gratuité, pour la réouverture des centres d'IVG et de toutes les maternités fermées, l'annulation de l'arrêt de la Cour suprême aux États-Unis. C'est donc aussi le respect de la liberté de choix pour les femmes des États-Unis, de France et du monde entier. Le deuxième sujet que nous abordons largement dans ce numéro concerne la flambée des prix et les grèves pour les salaires que cela occasionne dans de très nombreuses entreprises, petites ou grandes, et y compris dans le secteur public. Nous revenons ainsi dans la page numéro 3 sur une grève à l'entreprise Ratier de Figeac. C'est le premier hélicier mondial. C'est une très grosse entreprise, il y a 1200 salariés. Et nous donnons la parole à des syndicalistes qui participent à une grève pour l'augmentation de 300 euros pour tous. Les organisations syndicales, les salariés en assemblée générale ont déterminé leurs revendications. La réouverture des négociations annuelles obligatoires vu l'explosion des prix, l'augmentation donc des salaires de 300 euros bruts pour tous. Et comme ils le disent, il n'est pas question de négocier des petites primes. Une prime pour se payer un plein d'essence, dit l'un d'entre eux, ce n'est pas ça qui réglera les fins de mois difficiles. Nous voulons une augmentation de salaire, d'autant plus que l'entreprise a engendré 40 millions d'euros de bénéfices et que près de 9 millions d'euros de ces bénéfices sont allés directement dans les poches des actionnaires cette année. Le gouvernement fait mine de lutter pour l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est un mensonge supplémentaire. D'abord, du point de vue des chiffres, la flambée des prix a des conséquences dramatiques sur la population, particulièrement sur les travailleurs, avec des chiffres qui sont spectaculaires. La moitié de la population a déjà réduit l'utilisation de son véhicule, 47% a réduit l'achat de vêtements, 46% limitent leurs loisirs. Pire, une personne sur cinq a déjà décidé de réduire son alimentation selon les statistiques fournies par différents documents. Un tiers des ménages achètent moins de viande ou de poisson. Dans ces statistiques, il est également indiqué que les dépenses ont augmenté en moyenne de 90 euros par mois pour un ménage. 90 euros par mois, c'est plus que le salaire moyen d'une journée de travail. D'ailleurs, d'où vient-elle cette inflation? Les capitalistes eux-mêmes expliquent qu'ils répercutent sur les prix à la fois la hausse du prix du pétrole, mais aussi leurs difficultés d'approvisionnement en raison de la guerre en Ukraine. Et il faudrait que ce soit les travailleurs qui payent. Mais ceux qui sont responsables, ce sont les gouvernements fauteurs de guerre qui la financent et qui l'ont enclenché. Et deuxièmement, les responsables, ce sont aussi les spéculateurs qui font grimper les prix du baril de pétrole. C'est à eux de payer et certainement pas aux travailleurs qui, eux, veulent vivre dignement. Ce même gouvernement, donc, qui prétend lutter contre le pouvoir d'achat, a annoncé sa première mesure sur ce qu'il appelle le paquet pouvoir d'achat. Eh bien, c'est autoriser les bailleurs à augmenter les loyers jusqu'à 3,5%. Pour donner une idée, 3,5% d'augmentation des loyers, c'est une augmentation qui n'a pas existé depuis 15 ans en France. Donc, c'est une véritable provocation du gouvernement, enveloppée d'un énorme mensonge selon lequel il lutterait pour protéger le pouvoir d'achat. Les mesures d'urgence que prendrait un gouvernement sans Macron ni patron, elles sont connues. C'est l'augmentation immédiate et générale des salaires et des pensions d'au moins 10% pour compenser le pouvoir d'achat perdu depuis un an. C'est aussi le blocage des prix de tous les produits de première nécessité, l'énergie, l'alimentation, le carburant, etc. C'est le blocage des loyers, bien entendu. C'est l'introduction dans les conventions collectives et dans les statuts de la fonction publique d'une clause qui ajusterait automatiquement
les salaires sur l'augmentation des prix. Et ce serait aussi l'abrogation de la TVA, qui est un impôt injuste qui frappe particulièrement les plus pauvres. Alors, on nous dira comment financer ces mesures. Eh bien, prenons l'exemple de Total. Total, cette année, a réalisé 15 milliards d'euros de profit. Alors, si on prend Total, mais si on prend toutes les entreprises du CAC 40, elles ont réalisé cette année 160 milliards de profits, auxquels s'ajoutent les 607 milliards d'euros auxquels les patrons français ont bénéficié depuis le début de la pandémie, offert par le gouvernement et l'Assemblée nationale unanime, et également les 50 milliards d'euros que Macron veut donner chaque année au budget de la guerre. Donc cet argent existe et sont légitimes toutes les grèves qui se développent dans tout le pays pour les augmentations de salaire. Il y en a de nombreuses qui sont publiées dans les correspondances luttes de classe de cette semaine, qu'il s'agisse des conducteurs de train d'Île-de-France qui ont fait grève le 24 juin dernier pour des augmentations de salaire. Il y avait sur certaines lignes jusqu'à 90% de grévistes. C'était le cas également dans les transports pour les transporteurs routiers, où les fédérations syndicales le 27 juin ont appelé à des barrages, ont appelé à la grève pour des augmentations de salaire à deux chiffres, dit l'un des responsables syndicaux qui est interviewé dans nos pages. Il explique que l'ensemble de cette branche est smicardisée et ne parvient plus à faire face aux dépenses quotidiennes. Autre enseignement de ces grèves qui sont nombreuses, c'est que parfois elles arrachent des augmentations de salaire, parfois elles arrachent des succès à partir du moment où elles déterminent leurs revendications, et nous y revenons aussi dans ce numéro. Ici, ce sont des postes statutaires qui sont gagnés dans un bureau de poste. Ici, c'est une classe qui est maintenue dans une école suite à une mobilisation des enseignants et des parents d'élèves. Cela apparaît très modeste. Parfois, ces résultats sont d'ailleurs partiels, ne sont pas à la hauteur des revendications qui sont déterminées. Mais comme le dit l'une de ces grévistes, avec notre grève, nous avons gagné en unité entre nous. Et elle y voit un gage pour l'avenir dans les combats qui se préparent pour affronter ce gouvernement, les capitalistes qui cherchent à attaquer tous les acquis sociaux. Ces actions de débrayage, très souvent spontanées, ces grèves qui partent d'en bas, les assemblées générales qui débattent pour fixer le mandat des négociations, expriment une chose, c'est que une recherche politique est en cours pour battre la politique de ce gouvernement et le chasser. Et c'est précisément ce qui nourrit la crise politique et institutionnelle dans ce pays. Les institutions sont de plus en plus illégitimes, la crise politique s'approfondit, et le gouvernement, qui est dans une impasse institutionnelle depuis le second tour des élections législatives, voit Macron et son gouvernement chercher, en toutes circonstances, à nouer des alliances. Alors, les différents groupes parlementaires y sont-ils disposés? Un article y est consacré dans la Tribune des Travailleurs cette semaine à partir des déclarations des uns et des autres. Ils savent tous, même s'ils en parlent peu, qu'ils sont, comme toutes les représentations politiques, frappées d'une immense illégitimité. L'Assemblée nationale est devenue l'une des plus illégitimes, pardon, de la Ve République. Il y a eu 57% des électeurs qui, au second tour des élections législatives, ont refusé de voter pour un candidat ou un autre. Et les prises de position de tous ces groupes est intéressante à noter. Le chef du groupe Les Républicains de la droite refuse de servir de béquille au pouvoir, mais dit que, je cite, « il examinera chacun des textes au cas par cas ». Marine Le Pen ne manque pas une occasion de dire qu'elle ne souhaite pas être dans l'obstruction systématique. Valérie Rabault, elle qui est à gauche, elle est députée NUPES, dit qu'elle ne participera pas, ni elle ni son parti socialiste, à un gouvernement, mais dit-elle, nous regarderons les textes de manière pragmatique. Julien Bayou, l'un des chefs d'Europe Écologie Les Verts, dit à peu près la même chose, puisqu'il dit, si le gouvernement affiche une ambition sur le climat, nous voterons. Quant à Fabien Roussel, député NUPES, également et responsable du Parti communiste français, il affirme « nous ne voulons pas bloquer ».
Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe La France Insoumise au Parlement, elle se félicite que Macron n'est désormais plus le seul à décider, et elle est ravie qu'ils doivent faire face, je cite, à une Assemblée nationale forte. Forte, l'Assemblée nationale, difficile à dire. Elle sait, Madame Panot, qu'elle-même, élue avec 67% des voix dans sa circonscription, ne représente en réalité qu'à peine 27% des inscrits de sa circonscription. Une chose est sûre, derrière toutes ces déclarations, à défaut de coalition, Macron semble devoir se contenter de nouer des majorités au gré des votes, et cette approche semble de toute évidence acceptée comme une hypothèse de travail par tous les groupes parlementaires. Est-ce qu'il y parviendra et sur quel projet? Les prochaines semaines nous le diront. Une chose est sûre, et c'est ce que nous affirmons dans l'éditorial cette semaine, c'est que Macron cherche à nouer des alliances. Et au lendemain de l'allocution du 22 juin du président de la République, Jean-Luc Mélenchon, qui s'affirme être un opposant à Emmanuel Macron, a déclaré « La Première ministre doit solliciter la confiance de l'Assemblée nationale. Si elle ne l'a pas, je cite, elle doit démissionner, et si elle l'a, elle devra ensuite faire des propositions de textes de loi et l'Assemblée nationale en discutera. » Donc, si on comprend bien, soit Madame Borne n'a pas la confiance et elle démissionne, mais Macron et la Ve République restent en place, soit Elisabeth Borne a la confiance et Macron et la Ve République resteront en place et Borne avec eux. Mais pour qui se situe dans le camp de la majorité, dans le camp de la démocratie, le moment n'est-il pas venu, au contraire, de passer à autre chose? Il n'y a pas si longtemps, Jean-Luc Mélenchon faisait campagne sur un programme qui s'appelle « L'avenir en commun », qui affirmait, je cite encore Jean-Luc Mélenchon, « Les institutions de la Ve République sont devenues dangereuses. Nous avons le pouvoir de refonder nos institutions communes. Nous proposons que les Français se dotent d'une nouvelle constitution rédigée par une assemblée constituante. » Tout à fait juste. Est-ce que le moment n'est pas venu de passer des mots et des affirmations aux actes? Car en effet, rien n'oblige la France insoumise à faire des propositions la France insoumise à faire des propositions pour permettre à Macron et aux institutions antidémocratiques de gouverner. Bien au contraire, les millions d'électeurs de la France insoumise sont en droit d'attendre de leurs 75 députés France insoumise qu'ils déploient une véritable campagne de rupture, une campagne de masse, multipliant les réunions publiques, les meetings, les assemblées dans lesquelles des motions seraient adoptées, des comités constitués pour dire l'Assemblée constituante souveraine tout de suite, finissons-en avec la Ve République. C'est à notre avis ce que devrait être, face à la crise du régime, l'initiative de députés élus sur le mandat de l'Assemblée constituante, et toute autre position tournerait le dos à la démocratie. Vous trouverez également, donc, cette semaine, dans la Tribune des Travailleurs, je n'ai pas le temps de tout évoquer ici, les pages du parti en campagne, avec des extraits de communiqués publiés dans les différentes grèves. On trouvera également, dans les pages internationales, l'analyse politique de ce qu'il s'est passé à l'occasion du sommet de l'OTAN et ce qui était au menu, y compris du G7 de ces derniers jours, à savoir la guerre. Au sommet de l'OTAN, les propositions qui ont été faites, c'était notamment de mettre 300 000 soldats en état d'alerte en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est ce que dit le journal britannique Le Guardian, qui évoque également le doublement ou le triplement des hommes de troupes stationnés dans les pays baltes, c'est-à-dire à la frontière de la Russie. C'est donc la marche à la guerre. Dans cette marche à la guerre, des manifestations sont nombreuses, notamment contre l'OTAN, et nous revenons sur les équivoques qui peuvent exister dans ces manifestations, où on retrouve dans ces manifestations des députés européens qui ont pourtant voté pour les résolutions défendant l'OTAN et l'Union européenne au Parlement européen. On trouvera également dans la page des jeunes la poursuite de la campagne pour une manifestation unie des organisations de jeunesse contre la guerre. Un comité de jeunes contre la guerre s'est notamment constitué à Cherbourg.
On lira également un article consacré à la grève des cheminots en Grande-Bretagne pour les salaires et contre les licenciements. La semaine prochaine, ce sera aussi le premier numéro des abonnements d'été de la Tribune des Travailleurs. Ce premier numéro commencera par l'ouverture des différentes séries qui seront proposées aux lecteurs durant tout le mois de juillet et tout le mois d'août. La première est consacrée à la publication d'interviews que des écrivains ont accepté de donner à notre hebdomadaire. Le deuxième concerne des articles publiés par des scientifiques sur l'état des connaissances scientifiques sur les moyens de passer d'une économie carbonée à une économie décarbonée au travers de plusieurs sources d'énergie. Et enfin, une série de reportages durant tout l'été sur la condition ouvrière en France en 2022 au travers d'enquêtes dans des entreprises particulièrement soumises à la surexploitation. Voilà, le baromètre de la campagne d'abonnement d'été est publié en pagesse. Je ne sais pas si on le voit ici. Voilà, alors le thermomètre monte, pas aussi vite que la température. Nous avons encore 700 abonnés d'été à gagner, donc c'est aussi un appel à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui en partagent l'essentiel du contenu à nous aider dans cette bataille pour gagner cette campagne d'abonnement d'été. Au revoir et à bientôt.